mamila mila wanyi yesu wabutumbi Soma wenza jato teba mabaya mwananyi Bawa kanyi unya nabu mwananyi Bawa kanyi unwa nabu mwananyi Lelu bakutumbi chutumu mwananyi Bienvenue encore à la chaîne avec Trésor MT. Aujourd'hui, nous allons marcher un peu autour du lac Monkamba. Toujours dans le territoire de Kabeya Kamwanga, dans le secteur lac Monkamba, dans la province du Kasaï Oriental, en RDC. Je suis toujours accompagné du grand chef Batubenga Ntoka. On part un peu voir ce que les gens ont déjà fait autour du lac Monkamba. On a constaté rien de spécial, mais les gens ont juste acheté beaucoup de concessions ici. Et c'est juste vide. Concernant l'état de la route de Mbujimayi jusqu'au lac Monkamba, malgré que la route n'est pas asphaltée, mais quand même elle est en bon état. Dans mes vidéos précédentes, j'ai emprunté beaucoup de raccourcis. Et ces raccourcis ne sont pas vraiment en bon état. C'est pour cela que vous pouvez avoir l'impression que quitter Mbujimayi jusqu'au lac Monkamba, c'est juste un voyage vers l'impossible. J'ai emprunté ces raccourcis pour me permettre de visiter d'autres endroits avant d'arriver à ma destination finale, lac Monkamba. J'ai rencontré beaucoup d'étrangers au lac Monkamba, des Européens, des Chinois. L'atmosphère à Monkamba était tellement super que j'ai même oublié pourquoi j'étais à Monkamba. J'ai oublié de prendre des images. Quoi dire? Les voyages vers Monkamba est très structuré. Il y a même des guides de voyage. Il y a des Land Cruiser que vous pouvez louer. Ça vous prend de Mbujimayi jusqu'à Monkamba. Dans mes vidéos précédentes, vous pouvez aussi voir qu'il y a des logements, la sécurité, l'eau. En fait, bref, Monkamba a tout. Et là, allons-y un peu voir qu'est-ce qu'il y a autour du lac Monkamba. L'histoire du lac Monkamba se passe entre la fin du 17e siècle et le début du 18e siècle. Pour les anciens qui n'avaient pas la vue aérienne de ce lac,
Il pensait que le lac avait la forme d'un être humain étendu, jambes écartées, bras tendus à la verticale, avec tronc et tête. Le lac Monkamba a beaucoup de poissons. Et le lac Monkamba est très 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 propre. Je répète, le lac Monkamba est très 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 propre. On avait rencontré un groupe de jeunes qui pêchaient des poissons, des gros poissons. Mais malheureusement, ils ont refusé d'être filmés. Bon, c'est ça un peu le problème dans notre pays. Beaucoup de gens refusent la caméra. Bon. What to do? L'histoire de ce merveilleux lac nous a été transmise d'une façon orale par nos parents de génération en génération depuis le 17e siècle. Aujourd'hui, grâce aux drones et d'autres technologies, notre lac Monkamba a plutôt la forme d'un oiseau aux ailes déployées ou d'un Osiris. J'ai vraiment aimé cet endroit, le propriétaire vraiment intelligent. C'est simple, donc rien de grave, mais c'est très très chill. Voilà quelques idées simples. Je répète, le lac Monkamba est très 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 propre. Pour tous ceux qui veulent avoir des terrains à Monkamba, contactez le chef Atou Bengantoka. Il va vous guider pour ne pas commettre des erreurs. Notre séjour au lac Monkamba finit par ici. À notre retour dans un village toujours dans le secteur de lac Monkamba, j'ai voulu visiter quelques sites idéaux pour l'agriculture et l'élevage. Ce sont des concessions vides, mais idéales pour un bon projet. Et c'est comme ça que je me suis plus arrêté, j'ai visité encore plusieurs sites. Ça
troisième set. Voilà. Et visitons maintenant notre troisième titre de l'autre côté. Et là, nous avons un programme maintenant pour un projet agro-pastoral. Oui, toi, avance. Oui, toi. C'est le début. De la brosse. Merci beaucoup, je suis à la fin de mon vlog. Abonnez-vous pour ne pas rater mes vidéos. Bah imaginons ça de mon parcours et dans la compte Nanga Instagram. Merci beaucoup. Toi ça qui dit là, accent isana en lingala, je ne sais pas. Je pense que c'est ma tonde aussi, je ne me trompe pas. En Kikongo, je ne sais pas. Et on se retrouve à la prochaine. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.